24 petites souris avant Noël de Magdalena et Nadia Bouchama. Premier décembre, Madame Honorine Souris accroche le calendrier de l'Avent en disant à ses 24 petites souris « Il reste 24 jours avant Noël !» Mamie Albertine sort son tissu damassé et ses fils colorés pour broder la nappe de Noël. Colline mélange les bobines de fil. 2 décembre. C'est l'expédition. La famille Souris part en ville regarder les vitrines de Noël. Adeline et Aline mangent des gaufres à la crème chantilly. Adeline a de belles moustaches blanches. 3 décembre. Pauline propose d'écrire au Père Noël une grande lettre qui fait toute la longueur du couloir. Mandal, Rine et Céline découpent des images dans les catalogues de Noël. Clémentine et Justine dessinent. 4 décembre. Maxime, Joachim et Théotime partent avec Papa Souris couper le grand sapin dans la forêt. Ohis, ohis, ils le tirent jusqu'à la maison. Joachim avance à califourchon sur le tronc. 5 décembre, c'est la grande fouille. Au grenier, la tête dans les malles et les cartons, Martine et Marine cherchent des décorations. Rosine se déguise en arbre de Noël. 6 décembre, les petites souris décorent le sapin. Roseline et Léontine accrochent les boules, les guirlandes et les anges. Violine grimpe sur la grande échelle pour poser l'étoile sur la cime. 7 décembre. Sabine, Philippine et Amandine cherchent dans le jardin des branches et des pommes de pin. Sabine trouve une drôle de boule. C'est un hérisson. 8 décembre. Avec pinceau et peinture, Papa Souris et ses petits peignent en rouge et vert des branches, des noix, des pommes de pin et tout ce qui leur tombe sous la patte. Sandrine et Géraldine se disputent à coups de pinceau et finissent avec de la peinture plein le museau. 9 décembre, Valentine et Gwendoline découpent toutes sortes de papiers. Papier brillant, papier froissé. Théotime, Maxime et Joachim enfilent des cœurs, des étoiles et des ronds sur de longs fils pour faire des guirlandes qui pendent du plafond. 10 décembre, avec du sel, de l'eau et de la farine, Mamie Albertine fait de la pâte à sel pour fabriquer des petits bougeoirs. Colline a de la pâte, plein les pattes. 11 décembre. Toutes les petites souris, perchées sur des escabeaux, des chaises, des tabourets ou des échelles, décorent les vitres avec de la peinture blanche et des pochoirs. Sauf Céline qui a peur de tomber. Elle préfère regarder. 12 décembre. Maman Honorine distribue des cartes de vœux pour écrire à ceux qu'on aime. Pas un coin de table n'est libre. Sabine pleure, elle n'a pas de place. 13 décembre, ça sent bon le chocolat chaud dans toute la maison. C'est le jour des truffes et des papillotes. Les apprentis pâtissiers se lèchent les doigts. Sandrine a caché des truffes dans la poche de son tablier. 14 décembre, il est temps de fabriquer la couronne de l'Avent pour accrocher sur la porte d'entrée. Comme personne ne veut faire la même, Maman Honorine décide d'en réaliser plusieurs. Une pour la porte du garage, une pour le portail, une pour la porte de derrière et une grande pour la porte de devant. Ainsi, tout le monde est content, sauf Théotime qui déteste les couronnes de l'avant. 15 décembre, c'est la répétition des chants de Noël. On remplace les instruments de musique par des ustensiles de cuisine. Quel boucan ! Maman Honorine a un peu mal à la tête. 16 décembre, il neige! La famille Souris fait un bonhomme de neige pour commencer et une bataille de boules de neige pour terminer. Maxime, Marine, Mandarine et Martine rentrent trempés. 17 décembre, Rosine et Roseline cherchent du houx partout pour faire un bouquet.
Aïe, ouïe, ouïe, ça pique. Personne ne veut porter les branches. 18 décembre, c'est le jour du ramonage. Joachim et Sabine nettoient la cheminée pour le passage du Père Noël. Sabine a trouvé un nid de cigogne. Tant pis, elles devront déménager. décembre. Zut, il y a de la suie partout. Il faut faire le grand ménage. À coups de balai et de chiffon, d'éponge et de torchon, la maison est encore plus propre qu'avant. Clémentine s'est cachée pour ne pas travailler. 20 décembre, il reste encore le jardin à décorer. Amandine et Mandarine accrochent des gros nœuds et des guirlandes électriques. Pauline et Justine attachent une banderole « Joyeux Noël » sur le toit. Ainsi, le Père Noël reconnaîtra la maison. 21 décembre, ce sont les dernières courses avant Noël. Les petites souris, sacs sur le dos, choisissent des cadeaux pour papa et maman souris. Violine boude en revenant car elle veut un jouet. 22 décembre, Léontine, Valentine et Géraldine emballent les paquets. Adeline et Aline se font des bracelets et des serre-têtes en ruban. Maxime et Théotime plient du papier cadeau pour faire des avions et des bateaux. 23 décembre, c'est le jour des pâtisseries. Petits sablés, roses de sable, bûches de Noël, un nuage de farine flotte dans la cuisine. Barbouillés du museau aux pattes, Céline et Gwendoline mangent des gâteaux. 24 décembre, Sandrine et Philippine préparent le repas du Père Noël et des reines avant de se mettre au lit. Thermos de chocolat chaud, gâteaux et carottes attendent devant la cheminée sur un plateau. Le 25 décembre, c'est enfin le jour de Noël. Youpi! Si vous voulez écouter d'autres histoires, abonnez-vous à ma chaîne Madame Blary Maîtresse E et cliquez sur la cloche.